Et aujourd'hui, c'est le charmant village de Villaudric qui est... Nos reporters se sont rendus sur place afin de rencontrer les habitants de ce magnifique village. Alors bonjour Stéphane, bonjour. Ici en direct de Villaudric, un charmant petit village. The place to be, yeah! Nous allons faire connaissance avec ce village tant apprécié des Français. Nous avons là son charmant château. Et alors Stéphane, à l'arrière de ce château, nous allons découvrir un haras exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus. Voyons! Maintenant, nous allons découvrir cette charmante petite église, si paisible. Bonjour mon père. Alors, les go fast avec ma deux chevaux, ça va plus être possible. Elle ne va pas tenir. C'est de la bonne? Elle est pure. Comme moi, mon père. Et maintenant, Stéphane, un petit coin tout à fait paradisiaque, parce que Villaudric a un coin champêtre exceptionnel. Super coin! Ah, c'est génial! Quelle bonne idée! Ça va être super! Excellent! C'est parfait! Oh là là! Merveilleux! Allez, on s'installe! Super! Qu'on boit sous les tonnerres, quand les filles sont belles, du côté de nos gens, et puis de temps en temps, un peu de vieille romance, sans me donner la cadence, du côté, dans les bois, dans les prés, du côté, des côtés de nos gens. Donc pas si paisible. L'activité y est-elle toujours intense? Demandons à ce Villaudricain qui approche. Non! Mais chef, chef! T'as trop vite, on perd la valise? Ben non, non, laisse tomber. Lui, c'est un fadas. Il passe, il repasse. Laisse tomber. Mais chef, chef, c'est encore lui, on y va ce coup-ci? Oh non, mais je t'ai déjà dit, lui c'est un hyperactif. On n'y peut rien. Thank you.
Enfin, chef. Mais non, oublie. Alors, Vilodec est tout aussi connu pour ses commerces, des lieux de convivialité absolument superbes. Viva, le café. Absolument exceptionnel, vous allez voir. Sportif à Ville, Audric. À vous les studios.